Microsoft Teams, nous en sommes à la partie création de team, donc le module 2, création d'équipe et ajout de membres. Pour ajouter un team, vous avez la possibilité de le faire facilement. Vous pouvez ajouter trois types de membres. Privé, vous devez sélectionner vous-même les membres. Public, tout le monde peut venir dans ce team. Et échelle d'organisation, toutes les personnes qui sont créées dans Office 365 sont automatiquement dans ce team. Si vous voulez inviter des personnes en dehors de votre organisation, il faut activer l'option dans Office 365. Donc, je vais vous montrer dans notre lab comment on crée un team, comment on ajoute des membres à un team et comment on ajoute la possibilité d'ajouter des personnes qui ne se trouvent pas dans votre organisation. Donc, je vais lancer mon application ici, que je vais mettre en plein écran. Celle-ci, vous voyez qu'elle est en anglais. Mais si je reviens sur Microsoft Teams ici, elle est en français. De toute façon, tout ça, c'est de la configuration que vous pouvez faire ici pour choisir la langue que vous voulez bien. Donc ici, je vois qu'il y a déjà des teams qui ont été créés. On va voir qu'après, que je peux créer des teams qui sont liés à des groupes dans Office 365. Mais pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer une équipe. Donc vous allez donc créer une équipe. Hein, et là, dans l'équipe, je vais mettre par exemple projet formation team. Alors n'oubliez pas qu'après dans les teams, il va falloir créer ce qu'on appelle des channels, donc des canaux qui vont vous permettre d'organiser d'une façon beaucoup plus logique les différents sujets de votre team. Donc c'est ça l'avantage d'avoir des canaux. Hein. Donc ça c'est vraiment, c'est qu'en général on utilise plutôt des canaux internes de votre team pour organiser en fait compte certains projets. Donc ça on en verra plus tard justement comment le faire. Si vous laissez ici privé, quand vous laissez privé, ben, les membres, vous devez choisir les membres. Bon, donc ça veut dire que personne ne peut aller dedans, à part s'il est public, puisque là, il est public, évidemment, tous les utilisateurs peuvent aller dans ce team. Vous pouvez, on va voir après, avoir une option pour créer un team à partir d'un groupe Office 365. Ça, on le verra plus tard. C'est très pratique de pouvoir créer, en fait, compte un team à partir d'un groupe Office 365. Donc, à partir de là, je voudrais mettre par exemple privé. Là, je peux mettre une description, je fais suivant. Et là, il va me créer l'équipe. Donc là, j'ajoute des membres ici. Donc là, je peux lui dire, bah tiens, j'ajoute par exemple Léo. Ici, ajouter. Je peux ajouter d'autres membres ici. Je vais juste ajouter Léo. Si je vais ajouter d'autres membres, on va voir après comment on peut faire ça. Donc à partir de là, quand vous faites fermer, on voit que maintenant, mon projet formation team a été créé, donc ça veut dire que ça c'est vraiment une équipe, et à l'intérieur, je crée mes différents canaux. C'est ce qu'on appelle les channels, hein, puisqu'on voit ici qu'on peut créer facilement ici un canal, c'est pour organiser et avoir ici la possibilité de créer plusieurs canaux, par exemple par rapport à un projet formation. En général, ça peut être trouver un formateur, quel sera le contenu de la formation, le format de la vidéo, etc. Donc ça, c'est là, on peut facilement, justement, ajouter comme ça un team. Et puis, vous pouvez, à n'importe quel moment, quand vous êtes dans ce team-là, allez dans le bouton droit ici, et puis gérer l'équipe ici. Et quand vous faites gérer l'équipe, vous avez plusieurs options ici, mais ça, on le verra par la suite. Je peux facilement ajouter un membre. Alors, juste pour la partie, justement, Office 65, je voudrais me connecter sur mon tenant Office 365, login. Et vous allez voir que dans Office 365, je peux facilement ajouter des utilisateurs, mais ça n'a rien à voir avec la formation Teams, vous connaissez, hein. Ça c'est très facile à faire. Vous pouvez facilement ajouter des membres, justement, dans votre organisation en allant dans Admin. Donc là, si je crée, par exemple, un membre en plus, ou voir les utilisateurs que je peux ajouter dans Teams, ben là, il suffit que j'aille dans My User. Et dans mes users, je vais avoir la liste de mes utilisateurs que je peux ajouter dans une équipe. Donc voilà, je suis en train de charger. Et là, si je vais dans Active Users, ici, je verrai justement la liste de mes utilisateurs que je peux ajouter dans un Teams. Donc par exemple, ici, j'ai, ça c'est des gens de l'externe, c'est des guests, on verra ça après. Mais en tout cas, j'ai Fabrice, j'ai Léo et Muriel. Donc si je veux retourner dans Teams, ici, je peux ajouter un membre. Donc, je peux rajouter ici Muriel, oui, tout simplement. Et donc, c'est une personne qui est vraiment dans mon organisation. Ça veut dire que j'ai créé dans Office 65. Voilà. Donc, je vois ici les membres. Il y a Muriel,
Léo, et puis je peux me rajouter moi-même, hein. Donc ici Fabrice, voilà, et puis je fais ajouter. Vous voyez comme c'est simple, hein. Très bien. Alors maintenant, comment ça se passe si je vais inviter quelqu'un qui ne trouve pas dans mon organisation? Alors déjà, il faut avoir le droit. Pour pouvoir autoriser ça, alors si vous n'êtes pas admin, vous pourrez créer un tenant Office 365 gratuitement, ben vous pourrez voir. Donc ici, si je vais tout en bas, dans mes admin center, j'ai ici, en fait, compte mon admin center pour Teams. Donc là, ça veut dire, c'est vraiment tout ce que vous autorisez à vos employés pour Teams. Alors, il y a énormément d'options hein, pour Teams. On ne couvre pas ça dans cette formation. On verra certaines choses, mais il y aura sûrement d'autres cours Office 365 pour les administrateurs qui pourraient vous intéresser. Donc, si je vais ajouter la possibilité d'ajouter des membres qui ne sont pas dans mon organisation, bah effectivement, déjà, il faut que je donne l'autorisation de le faire. Et l'autorisation de le faire, ça se fait à travers l'admin. Il faut savoir, quand vous ajoutez un membre, donc le temps qui charge, je vais vous montrer ici. Donc, si ici, vous ajoutez un membre, vous remarquez que, il est marqué ici, vous pouvez également ajouter des utilisateurs externes. Normalement, vous ne l'avez pas, cette option-là. Vous l'avez, cette option-là, que si, dans Microsoft Teams, ici, vous ajoutez la possibilité de le faire. Donc ça se fait vraiment dans la partie admin. Donc là, il met du temps pour charger. Aujourd'hui, ma connexion Internet est un peu lente, mais ça devrait être bon dans quelques secondes. Donc, le temps qu'il le fasse, je vais continuer ma formation. Donc ici, j'ai la possibilité d'ajouter une personne en plus. Okay. Donc là, par exemple, je vais rajouter un membre. Donc j'ai créé spécialement ici un utilisateur, voilà, et donc là, vous voyez que j'ajoute sophielenote01@gmail.com en tant qu'invité. Si je fais ça, et que je fais ajouter, on va voir ce qui se passe au niveau de l'utilisateur. Donc on va se connecter maintenant je me connecte sur une autre machine, donc ça c'est une machine qui est effectivement tout simplement une machine virtuelle, hein, comme je vous l'ai dit au départ, quand je vous ai présenté la formation, la présentation de la formation, si vous voulez avoir deux machines, c'est quand même plus pratique. Et là, vous voyez que là, j'ai justement que Microsoft Teams m'a envoyé une information pour rejoindre un team. Pour ça, eh bien, vous voyez, projet formation Teams, il va falloir que j'ouvre Microsoft Teams, et pour ça, il me faut un compte Microsoft. Et donc, si je fais Open Microsoft Teams, il va me demander de créer un compte Microsoft. Si j'ai pas un compte Microsoft, je ne peux pas rentrer dans Teams. Ici, donc, créer un compte ici. Donc, vous voyez, il semble qu'on n'ait pas de compte chez nous. Nous allons en créer un pour vous. Voilà. Donc là, il faut un compte pour se connecter. Alors, c'est vrai que il y a cette petite option à faire. Donc, ça, c'est important. Donc, créer un mot de passe. Donc, je vais créer un mot de passe ici. Voilà. Voilà, je fais suivant. Ici. Très bien, jamais. Donc là, il me demande le pays, on va laisser comme ça. La date de naissance, on va mettre une date de naissance ici. Donc on descend vers le bas. Non, 2008, c'est pas bon. Donc je descends, je mets une date de naissance. Voilà, je fais suivant ici. Et à partir de là, il va me dire, ok, entrez le code que vous avez envoyé à Sophie. Donc ici, si je reviens là-dessus, je vais ici, et je vais recevoir un code, justement, vérifié, vous voyez, pour permettre de rajouter 5867. Donc là, je pense que je connais. Donc 5867, je vais le rentrer ici, 5867. Et puis, je ne souhaite pas recevoir des informations commerciales, donc je fais suivant. Voilà. Donc là, il me demande de taper ici ce qui est dans le caractère, donc c'est PYVWP S, je crois que c'est 2 fois MN, sinon je ferai nouveau si ça marche pas. Je fais suivant, voilà, donc vous voyez comme c'est simple, révision des autorisations, voilà, donc je vais faire accepter, ici, et quand je fais accepter,
Donc j'arrive sur la fin et là, justement, il me demande est-ce que tu veux utiliser l'application web ou télécharger l'application? Donc là, je vais faire utilisation d'application web à la place. Et là, il me charge et puis je vais arriver dans Teams. Vous voyez comme c'est simple? Donc l'avantage en plus, c'est que j'ai pu garder la même adresse email. J'ai pas été obligé, en fin de compte, de créer une adresse du type Hotmail, de créer une adresse du type Hotmail ou tout type d'adresse. Ici, s'il me demande si je veux activer les notifications sur le bureau, donc c'est-à-dire sur mon poste, hein, donc là, si je fais autoriser, ben, j'aurai une notification. Et là, je vois mon projet Teams ici, projet formation Teams, et ici. Et puis, ben, si je reviens sur ma fenêtre ici, eh bien, je vois que j'ai Sophie qui est ici. Donc, ça veut dire que si je vais dans Général ici, qui est mon canal, hein, sur lequel je peux facilement taper ici, taper un message ici. Hein. Donc, par exemple, si je fais salut, bienvenue sur mon team. Voilà. Donc, si je fais entrer ici, tous les membres vont le recevoir. Donc, si je retourne ici, là-dessus, eh bien, dans Général ici, donc si je vais dans mon projet ici, ben, automatiquement, maintenant taper ce que je veux, hein, si je veux faire salut, voilà, je veux dire c'est assez simple ici. Et puis ben, à partir de là, je vais pouvoir donc envoyer des messages, partager des informations avec n'importe qui en utilisant la puissance de Teams AIR. Donc vous voyez que là j'ai Sophie qui m'a répondu et qui m'a mis salut. Bon, alors ça, on verra après effectivement comment gérer tous ces aspects-là. Petite information quand même au niveau de la partie admin, je vous avais dit que par défaut, il faut aller dans la partie Teams. Et dans la partie Teams, il faut lui dire si on a le droit d'utiliser ajouter des personnes qui viennent d'une autre organisation. Et bien là, justement, j'ai un truc qui s'appelle Guest Access. Et Guest Access, j'ai mis on ici. C'est pour ça que je peux inviter des personnes qui ne se trouvent pas dans mon organisation. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes à voir. Qui sont intéressantes à voir, c'est de pouvoir justement faire ce genre de manip. Mais n'oubliez pas qu'il faut quand même un peu d'admin des deux côtés. Si je reviens ici sur mon projet formation, ici, donc je vois que Sophie m'a répondu. Je peux après, évidemment, j'ai d'autres options ici, hein, qu'on verra par la suite. Je peux enregistrer ce message, je peux faire j'aime ce message ici. Et puis je peux répondre ici à Sophie, tout simplement. Quand je vais répondre ici, ben, je peux répondre salut Sophie. Merci d'être là ce matin. Voilà. Et donc pareil, si je me connecte ici sur le poste, automatiquement, donc j'aurai le message qui apparaît. Oui, Fabrice a répondu ici. Voilà. Donc ici, j'ai la possibilité de voir ici les différents messages que je peux avoir, hein, donc, sur mon projet Teams. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même pratique de pouvoir voyez un petit peu. Là, donc là, je vois bien ici mon activité avec les différents messages. Salut Sophie. Puis là, je peux répondre, évidemment. Je peux répondre ici. Voilà. Et je mets yes. Et quand je fais yes, évidemment le côté, eh bien, je retrouve yes ici. Voilà. Donc, en plus, je peux me voir que j'ai un petit message ici, comme quoi, ben, ça, on a répondu justement ici. Et là, j'ai bien les conversations qui s'affichent ici. Ok. Donc, nous allons voir après comment, dans la prochaine vidéo, comment ajouter un groupe, quelque chose de très intéressant pour pouvoir créer des équipes ici. Donc je vais revenir sur mon slide qui est ici. Voilà. Et donc on en est toujours, je vous ai dit, à création d'équipe. Et on va voir maintenant, toujours en module 2, donc c'est un module que j'ai découpé en deux vidéos. On va voir comment justement créer des équipes à partir de groupes Office 365 qui existent. Allez, à tout de suite, ciao ciao tout le monde.